majambo make tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu discipline mu ntwara miheto discipline mu mashuri discipline ku kazi discipline mu migambwe discipline mu ntwaro discipline mu Burundi bwose. Ceci est l'extrait du discours du président Cyprien Ntaryamira lors de son investiture, c'était le 5 février en 1994. Deux mois après, le président Ntaryamira est décédé. Ce mercredi 6 avril, le Burundi commémore le 22e anniversaire de la mort du président Cyprien Ntaryamira. Les cérémonies ont débuté par une messe d'action de grâce à la cathédrale Regina Mundi. Différents hauts dignitaires, à commencer par le président de la République, étaient présents. Après la messe, ils se sont rendus au mausolée de l'héros de la démocratie, président Melchior Ndadaye, où ils ont déposé des gerbes de fleurs sur la tombe du feu. Un de ses compagnons garde en mémoire les bonnes œuvres en rapport avec le développement du pays que le président Ntaryamira faisait pour les paysans burundais. C'est quelqu'un qui insistait beaucoup sur le développement intégral des populations, des petites personnes, abanyagihugu, comme on le dit dans notre langage, kirundi. Alors, il insistait beaucoup à telle enseigne qu'il s'investissait beaucoup dans la préparation et le lancement des programmes, de petits programmes pour développer sur les collines les petits paysans, notamment le petit élevage des poules, des cochons, des chèvres, et j'en passe. Donc c'est quelqu'un qui s'investissait beaucoup dans ce genre de programme de développement des populations. Par la commission Vérité et Réconciliation, le Burundi espère trouver la vérité sur la mort du président Ntaryamira. Précise le porte-parole du gouvernement burundais. Nous avons une commission Vérité et Réconciliation qui a déjà été mise en place ici et qui, fort heureusement, est à une étape avancée puisque nous trouvons son étape opérationnelle de commencer à chercher la vérité. Et nous pensons qu'au bout de ce processus de la commission Vérité et Réconciliation, certaines vérités vont voir le jour parce que si la mort d'un chef d'État profite à l'un ou l'autre opinion ou à l'un ou l'autre intérêt ou groupe politique ou groupe d'intérêt, c'est toujours aisé de pouvoir suivre l'affaire lorsque vous avez déjà identifié certaines vérités, certains dessous d'une affaire qu'on veut camoufler. Le président burundais Ntaryamira est mort étant en avion avec son homologue rwandais, feu Juvenal Habyarimana. C'était à l'aéroport de Kanombe, au Rwanda.